Bien, il est 8 h 01, nous allons donc démarrer et lorsque le professeur Kocis nous rejoindra, nous lui donnerons la parole. Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue donc dans ce webinaire de lancement spécial concernant Abidjan 2020, lancement qui a été légèrement retardé pour des raisons qu'il est inutile de réexpliquer et que nous connaissons tous, hein. Nous devions ouvrir en juin, mais au mois de juin, il était hors de question de prendre l'avion, vous le savez tous, et on a décidé donc de reprogrammer la rentrée qui interviendra au mois de novembre. Professeur Liarté, elle interviendra exactement à quelle date au mois de novembre? Alors, c'est une bonne question. C'est le week-end du 20. Je vérifie, je ne veux pas vous dire de bêtises. Je vous dis ça tout de suite. Oui, c'est noté dans mon agenda, mais. Ça sera, hop, voilà, le 26 novembre, du 26 au 29 novembre. Voilà, Jeudi, donc voilà, notre premier week-end, le week-end de rentrée qui se déroule toujours sur un jeudi, vendredi, samedi, hein, en fin de semaine pour que ce soit compatible avec les horaires des participants, de travail des participants. Alors moi-même, je suis Michel Kalika, je suis professeur émérite à l'IAE Lyon et je suis président du Business Science Institute. Mon domaine d'enseignement est plutôt la stratégie, mon domaine de recherche sont plutôt les systèmes d'information, la surcharge informationnelle. Je vais demander au professeur Liarté de se présenter. oui, alors bon, d'abord, bonjour à tous et merci d'être nombreux pour assister à ce webinaire. Alors, moi, je suis donc Sébastien Liarté, je suis professeur des universités à l'Université de Lorraine, à l'IAE de Nancy. Je suis également plutôt spécialisé en stratégie, management stratégique et également en théorie des organisations. Voilà, et donc, je suis le responsable depuis cette année du site d'Abidjan, puisque nous avons. Professeur Kalika vous expliquera en détail l'organisation du BCI, mais plusieurs sites. Et donc, je serai en charge, et c'est un grand honneur pour moi de m'occuper de l'ouverture et de l'accompagnement du site d'Abidjan. Alors, prise en main, nous allons demander à Hugo de nous donner les renseignements techniques indispensables pour utiliser correctement ce webinaire. Hugo, tu as la parole. Absolument, merci professeur Kalika. Alors une prise en main finalement qui est simple et rapide. Vous avez deux possibilités pour interagir avec nous. Il n'y en a pas une qui est préférable à l'autre. Il y en a peut-être une qui est plus simple, c'est l'usage du bouton questions et réponses QR, donc en bas ou en haut de votre écran, suivant les configurations qui sont les vôtres. Donc vous cliquez sur ce bouton, vous avez un formulaire qui apparaît, vous renseignez votre question. Moi, je récolte cette question, je m'en fais le relais auprès de nos intervenants et ensuite, ils vont y répondre. Et moi, je vais essayer de vous rédiger en live une réponse synthétique de ce qui vient d'être dit. Deuxième possibilité, l'usage de l'onglet chat, donc la conversation publique. Et je vous demanderai peut-être d'être particulièrement attentif aussi à cet onglet conversation publique, puisque tout au long de webinaire, je vais agrémenter les propos des conférenciers par des liens que je vais vous transmettre et vous pourrez ultérieurement les copier-coller et cliquer pour aller voir ce que donne dans le réel, dans le concret, les propos des professeurs Kalika et Liarté. Voilà, c'est tout pour moi et je serai ravi de répondre à vos questions pendant le webinaire et par la suite. Bon courage et bon webinaire à vous. Merci beaucoup, Hugo. Alors, premier point, de quoi s'agit-il? Ben, aujourd'hui, le Business Science Institute, c'est une organisation académique internationale qui a été créée en 2012-2013. Donc, c'est une organisation académique internationale qui fonctionne en réseau.
en réseau, ça veut dire qu'il y a des professeurs partout dans le monde, que les équipes support sont également réparties principalement en Europe et aussi un peu sur le continent africain, et que nous sommes spécialisés sur un seul cursus, un seul diplôme, un Doctorate in Business Administration, ce que l'on appelle un DBA, plus précisément un Executive DBA. Alors, pourquoi a-t-on créé, avec quelques professeurs, pourquoi a-t-on créé le Business Science Institute? En fait, notre idée de départ, notre expérience a été celle de la création de MBA dans différents pays, c'est-à-dire des cursus qui étaient dédiés à des managers qui souhaitaient comprendre les questions de management et aller plus loin. Et donc, nous étions confrontés à une demande de cadres expérimentés, des cadres qui étaient titulaires d'un MBA ou d'un équivalent de MBA. Et ces cadres se revenaient vers nous après le MBA et nous demandaient à aller plus loin. Ils nous demandaient à aller plus loin, à réfléchir. Ils pensaient, pour un certain nombre, aux écoles doctorales. Or, malheureusement, les écoles doctorales des universités, et ce n'est pas une critique puisque nous sommes nous-mêmes des universitaires, les écoles doctorales des universités n'ont pas été conçues pour des managers en activité, tant sur le plan temporel que sur le plan de l'organisation. Et donc, nous avons créé ex nihilo, à partir de rien, le Business Science Institute. Ça remonte, je l'ai dit maintenant, à près de 8 ans. Et donc, l'idée de départ, c'était de répondre à une demande qui était une demande de manager souhaitant prendre du recul, souhaitant écrire une thèse et souhaitant éventuellement publier cette thèse. Alors, donc, qu'est-ce qui garantit le sérieux du Business Science Institute? Alors, tout d'abord, le point le plus important qu'il faut souligner, c'est que notre organisation académique en réseau, c'est une organisation qui repose sur un corps professoral. Professeur Liarté, vous souhaitiez intervenir sur ce point-là? Oui, eh bien, comme donc vous l'avez dit, le professeur Kalika, le BSI s'appuie sur un ensemble de professeurs de différentes institutions, et de là sont puisés en fait les différents intervenants pour les différents sites. Donc pour ce qui concerne précisément Abidjan, un certain nombre de collègues dont vous voyez là les noms ont été choisis, alors en fonction de leur domaine de spécialité, en fonction bien évidemment de leur centre d'intérêt. Certains travaillent soit sur des problématiques liées à des problématiques de certains pays de la zone concernée, l'Afrique ou d'autres problématiques, et également leur disponibilité sur ces périodes-là. Donc, vous avez là, bien sûr, un ensemble qui n'est pas exhaustif, parce que, bien sûr, les intervenants vont bien au-delà, puisque là, sont à peu près tous les intervenants qui interviendront dans les séminaires thématiques, mais lorsqu'on réalise un DBA, on a également des séminaires de suivi où interviennent une multitude de professeurs, donc qui se joignent à l'équipe principale. Il y a également votre directeur de thèse de DBA qui n'est pas forcément l'un d'entre eux, qui sera choisi en fonction de votre spécialité et pour trouver un lien fort avec votre problématique. Et ensuite, vous serez amené à en rencontrer beaucoup d'autres, que ce soit à travers les séminaires de suivi ou lors de la semaine internationale à Wiltz. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si l'ensemble des professeurs ont été choisis tous sur les mêmes critères, c'est-à-dire des personnes réalisant eux-mêmes de la recherche, ayant encadré une grande quantité de personnes, que ce soit dans tous les domaines de la recherche, donc que ce soit des étudiants en master recherche, que ce soit des doctorats, que ce soit des DBA, et donc sont tous publiants dans des revues académiques reconnues dans le champ à l'international, et tous dans différents domaines pour pouvoir couvrir l'ensemble des problématiques et des thématiques que vous choisirez. Aujourd'hui, il y a environ 80 professeurs actifs qui dirigent des thèses et qui animent des séminaires, et il y a plus d'une centaine de professeurs qui sont disponibles pour vous encadrer. Et c'est notre première caractéristique. Nous sommes une organisation sans but lucratif en réseau
qui repose sur un corps professoral qui est exceptionnel. Alors, la question qui nous est souvent posée, c'est quel diplôme on obtient à la fin. Alors, vous obtenez plusieurs diplômes dans le cursus. D'abord, à la fin de la première année, vous obtenez un Certificate of Research in Business Administration sur présentation de votre projet de recherche, présentation devant un jury. Et ce certificate, il vous est délivré par le Business Science Institute, mais également délivré par un de nos partenaires australiens, l'Université technologique de Sydney et son école de commerce, la Business School. C'est une institution qui est accréditée à ACSB, la grande accréditation américaine. Vous recevez également à la fin du cursus, après soutenance de votre thèse, l'exécutif DBA du Business Science Institute. Et du fait d'un partenariat qui a été noué en 2014 et au travers duquel tous nos étudiants sont inscrits à l'Université de Lyon, vous recevez le DBA de l'Université de Lyon, de l'IAE Lyon, qui appartient à l'Université de Lyon, DBA signé du président de l'université. Voilà donc les diplômes que vous recevez. Alors, une de nos caractéristiques extrêmement fortes, et nous sommes le seul, à notre connaissance, on va être modeste, nous sommes le seul DBA au plan mondial qui a une collection d'ouvrages dédiés au Doctorate in Business Administration. Et en l'espace de quelques années, nous avons publié 28 ouvrages, la moitié environ écrits par des professeurs. Et ce sont des ouvrages qui vous permettent de mener votre thèse. On a écrit un premier ouvrage sur la création de connaissances par les managers, un autre ouvrage sur le projet de thèse de DBA, un autre ouvrage sur les méthodologies de recherche du DBA. Et puis, d'autres ouvrages sont écrits par les docteurs. C'est-à-dire qu'après la soutenance, les docteurs du Business Science Institute ont la possibilité de publier une version accessible aux managers sous la forme d'un ouvrage d'une centaine ou de 150 pages. Voilà. Alors, professeur Kalika, nous avons une première question. J'en profite pour annoncer que j'ai relayé le lien vers la collection Business Science Institute vers édition Management et Société. Et la question est la suivante. Comment fait-on pour publier sa thèse aux éditions EMS? Quels sont les critères? Les critères sont extrêmement simples. D'abord, il faut avoir soutenu sa thèse. Ensuite, il faut l'accord du directeur de thèse et l'accord des directeurs de collection. C'est un processus éditorial extrêmement, extrêmement classique. Ça n'est pas automatique, mais quand la thèse est de qualité, c'est quelque chose de possible. On ne publie pas l'intégralité de la thèse. On publie une version qui est une version abrégée parce que les thèses peuvent avoir différents volumes. Et on a décidé que les ouvrages des docteurs font entre 100 et 150 pages de façon à être plus facilement lisible. Merci, professeur, pour cette réponse. Un point à ajouter, professeur Liarté? Juste, je me permettrai de rajouter que l'idée également, c'est de transformer donc, enfin, tout le travail du DBA en connaissances transmissibles. Alors, ça peut prendre la forme des ouvrages, mais il existe aussi d'autres formes de publication, et nous avons déjà le cas depuis quelques années d'anciens doctorants du DBA qui ont publié également, alors ce n'est pas forcément les mêmes parce que ce n'est pas forcément le même objectif, mais qui ont publié dans des revues académiques, donc à une portée plus scientifique, le public étant plus universitaire, dirons-nous, enfin académique au sens large. Il y a déjà eu aussi des publications dans des revues professionnelles, là aussi, qui est un autre support, alors parfois plus sectoriel et plus ciblé, mais c'est aussi des choses qui sont possibles avec le DBA en fonction de vos objectifs professionnels. Je voudrais signaler un dernier ouvrage qui vient d'être publié, qui sort actuellement en septembre 2020, « La recherche enracinée en management, le cas des effectué en milieu africain ». C'est coordonné par le professeur Candem, par le professeur Chevalier, par le professeur Payot, une trentaine de professeurs d'université se sont penchés sur la question de la recherche en management dans le contexte africain. Et cet ouvrage est un des premiers, on peut même dire le premier, qui sort sur cette thématique-là. Ça correspond à notre volonté d'encadrer nos étudiants.
Les étudiants arrivent avec un sujet, le rôle des professeurs, c'est de les encadrer, c'est de leur donner les méthodologies nécessaires pour qu'ils puissent avancer. On a également créé, et ça c'est un point important à souligner, notre DBA, il a une finalité, le professeur Liarté l'indiquait, qui est la création de connaissances par les managers. L'objectif d'une thèse de DBA, ce n'est pas seulement un travail académique, l'objectif d'une thèse de DBA, c'est aussi de créer de la connaissance qui est issue de l'expérience managériale et de l'encadrement conceptuel apporté par le professeur. Et donc, on a créé, il y a maintenant 2 ans, un DBA Impact Managerial. C'est un prix qui est remis à la thèse ou aux différentes thèses qui ont le plus fort impact managérial. Parce que la caractéristique de nos DBA, c'est qu'il est exigé, c'est obligatoire d'avoir des considérations, un chapitre sur l'impact managérial de la thèse. Quelle est l'organisation du programme ? Alors, l'organisation du programme donc, est la même hein, selon tous les sites. Hein, c'est vraiment une structure commune au programme de DBA de BSI. Alors, la première année est une année de séminaire, hein, de cours. Alors, bien sûr, de cours, il ne s'agit pas de cours magistraux où vous assisterez pendant des heures sans pouvoir dire un mot en face des professeurs. L'idée, quand même, est d'échanger autour de la recherche. Mais donc, la première année, une année autour de un séminaire, enfin un cours de conduite de la thèse, donc comment trouver sa problématique, organiser ce qu'on appelle le design de recherche et vraiment de la méthodologie de la réalisation des différentes étapes. Ensuite, vous aurez des séminaires sur des thématiques, donc toujours orientées sur la recherche, donc comment, qu'est-ce que c'est que faire de la recherche en finance, de la recherche en management stratégique, en marketing, bon, pour voir un peu ce qui est avoir un aperçu général de la recherche en management. Et enfin, des séminaires de méthodologie qualitative et quantitative pour la partie empirique, c'est-à-dire de la manipulation des données, puisque vous aurez à produire de la connaissance nouvelle à partir de données. Donc, ça peut être des entretiens, ça peut être tout ce qu'on appelle du qualitatif. Et pour cela, il faut quand même être outillé méthodologiquement, ou alors des méthodologies quantitatives pour ceux qui seraient plus sur des méthodologies utilisant des questionnaires, des bases de données et des approches de ce type-là. Alors, en combinaison avec tout ça, donc une fois que vous aurez pris connaissance de ce qu'est la démarche d'une conduite de recherche, en ayant vu des thématiques et des paradigmes de recherche dans les différentes thématiques et la méthodologie, il s'agit de construire conjointement à ce moment-là votre sujet de recherche et à travers ça d'identifier le ou la directeur, directrice de recherche la plus adaptée en fonction de vos centres d'intérêt, de votre problématique et de votre méthodologie, puisqu'on rentre dans des domaines très spécifiques, donc il faut trouver la personne la mieux à même de vous accompagner dans ce travail. Et comme l'avait dit le professeur Kalika, c'est la grande richesse de BSI, c'est qu'on peut aller puiser dans le 80 personnes que compose le corps professoral, mais même on peut aller au-delà, puisqu'il nous arrive, si quelqu'un travaille sur votre problématique très précisément, quelque part en France ou même ailleurs, au Canada, dans un pays en Afrique ou je ne sais où, qui travaille sur ce domaine spécifique, on peut le contacter et l'intégrer dans l'équipe de BSI, s'il le souhaite bien évidemment, pour conduire votre recherche et s'il remplit bien sûr les conditions. Ça, c'est la première année. À la fin de cette première année, donc, il y a le certificat de recherche en business administration délivré par BSI et l'Université technologique de Sydney. Donc là, où vous faites une première étape de contrôle de est-ce que vous avez bien une problématique claire, précise, clairement identifiée, donc pour s'assurer que vous démarrez sur des bases solides. Et alors, si tout se passe bien, vous le validez, vous avez ce certificat et donc vous êtes accepté en deuxième année où là, il s'agit de commencer à écrire et à réaliser vraiment le travail de recherche où là, on passe de séminaires où vous êtes beaucoup plus actif puisqu'il s'agit de séminaires de suivi de votre travail, donc 2 séminaires de suivi durant l'année et en plus, une semaine avec différents séminaires, un suivi de thèse, toute une série d'interventions lors de la semaine internationale à Wiltz au Luxembourg, qui se déroule la dernière semaine de septembre chaque année.
Et enfin, la troisième année où il s'agit de continuer, mais là, c'est beaucoup plus une phase d'écriture, puisqu'il s'agit bien sûr de finaliser le manuscrit, de réaliser une présoutenance. Et enfin, la soutenance de thèse qui se déroule également lors de la semaine internationale à Bills. Alors, vous aurez eu l'occasion de voir à quelle sauce vous allez être mangé en assistant lors de votre deuxième année, notamment à cette semaine-là, et assister aux différentes soutenances. Et là, eh bien, là encore, si tout se passe bien, vous soutenez votre thèse avec brio et vous obtenez le billet de BSI et de l'IAE de Lyon, l'Université de Lyon, au château de Wiltz, au Luxembourg. Donc voilà vraiment une première étape de construction du projet de recherche, une deuxième étape de réalisation du travail en lui-même et une troisième année de finalisation, de rédaction et de soutenance. Schématise le processus qui est encore une fois toujours le même pour le DBA de BSI. Merci professeur Liarté pour cette présentation du programme. En effet, le programme est le même, quels que soient les sites géographiques. Et on ne l'a pas précisé, mais aujourd'hui, il y a des sites à Shanghai, un groupe vient d'ouvrir à Shanghai, il y a un groupe à Bangkok, il y a des groupes à Genève, à Luxembourg, à Paris, à Francfort. On enseigne en effet dans trois langues, le français, l'anglais, l'allemand. Et nous avons pas, on a également un site à Bamako, un site à Douala. Et donc, aujourd'hui, on a 170 doctorants managers. Et pour nous, ce qui est important, ce n'est pas les 170 doctorants managers qui sont inscrits et qui travaillent sous la direction des professeurs. Pour nous, ce qui est important, et c'est vraiment le facteur clé de succès, ce sont les soutenances de thèse. Parce que notre grande fierté, c'est de transformer des managers qui s'inscrivent dans le cursus et qui travaillent, bien évidemment, de les transformer en docteurs de DBA. Et aujourd'hui, on a été capable, en quelques années, de faire soutenir 57 thèses, un certain nombre ont fait l'objet d'ouvrages, et on va avoir la semaine prochaine, nous avons la semaine internationale, alors compte tenu de la crise sanitaire, cette semaine internationale se déroule en ligne et non pas physiquement au château de Wiltz, mais nous allons avoir 23 soutenances de thèses la semaine prochaine, ce qui veut dire qu'en quelques années, on aura été capable, avec des jurys internationaux composés de 4 à 5 professeurs, on aurait été capable de faire soutenir 80 thèses, dont un certain nombre font l'objet d'ouvrages. Donc, mon commentaire est de dire que c'est un système qui aujourd'hui fonctionne, c'est un système qui a fait ses preuves, et c'est assez exceptionnel parce que très souvent, dans les programmes doctoraux, il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Alors, on vous doit quelques explications et on va vous les donner un peu plus tard, pourquoi notre système fonctionne. Alors, d'abord, la question que vous vous posez, c'est est-ce que vous êtes éligible ? Alors, il y a deux qu'on dit. Bon, d'abord, pour savoir si vous êtes éligible, vous avez une adresse mail qui figure, cv@business-science-institute.com. Vous envoyez un CV détaillé, précisant votre activité professionnelle, précisant vos études. Et on a deux critères majeurs. Un, c'est un MBA ou un équivalent de MBA. Et deux, plus de 5 années d'expérience professionnelle. Alors, quand je dis plus de 5 années d'expérience professionnelle, on est très loin de ces 5 années puisque la moyenne d'âge de nos doctorants managers est de 45 ans et que les plus jeunes doivent avoir une trentaine d'années, les plus âgés ont 70 ans. L'âge n'est pas un critère. Ce qui compte pour nous, c'est l'expérience. J'ai oublié également de préciser que nos doctorants managers viennent de 40 pays différents, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes une organisation académique internationale en réseau, comme je l'ai précisé au départ. Alors, quelles sont les caractéristiques distinctives de cette organisation ? Professeur Liarté, vous avez parlé du corps enseignant déjà. Oui, alors le corps enseignant, effectivement, nous l'avons largement évoqué, donc je ne reviendrai pas dessus en termes de nombre et de qualité des personnes. En plus de ça, on s'attache à une grande réactivité opérationnelle, ce qui veut dire que toutes les personnes intervenant, que ce soit donc les encadrants, les intervenants, les personnes support, hein, donc qui se chargent de coordonner l'ensemble des sites et l'ensemble de l'activité de BSI, s'attachent à avoir une grande réactivité, c'est-à-dire de répondre vraiment dans les plus brefs délais. Et
je pense que, enfin, vous pourrez le constater très très vite, on est dans quelque chose de très 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 réactif, puisqu'on reste, même si la taille devient de plus en plus imposante, on reste une structure à dimension humaine où quand même la réactivité, et on veut garder de ne pas rentrer dans des lourdeurs administratives, donc ce qui nous permet de réagir très vite. Et ensuite, vraiment le facteur sans doute clé aussi de la réussite, c'est le suivi strict efficace des doctorants. Ce qui veut dire que ça vous implique, alors ce n'est pas parce que vous rentrez et que vous payez la formation et que vous êtes accepté que voilà, il faudra faire le minimum et puis forcément vous allez être diplômé. Ce n'est pas ça, mais vous serez accompagné et donc vous devez chaque mois, tous les doctorants réalisent un rapport d'activité qu'ils envoient non seulement à leur directeur, mais que le responsable de site en reçoit une copie et tout ça aussi est observé, est stocké et archivé sur une base de données de suivi. Donc, on sait exactement chacun où il en est. Il existe aussi, comme je vous l'ai dit, les séminaires de suivi lors de votre thèse, où là encore, des personnes extérieures viennent évaluer l'état d'avancement. Donc, tout le monde, et j'ai envie de dire, tout le monde, il y a un suivi strict pour tout le monde. C'est-à-dire qu'un directeur qui, pour des raisons divers et variés, pourrait manquer aussi à son travail de suivi, ce serait noté et on trouverait une solution, trouver un moyen de remédier à ça. Donc voilà, il s'agit de travailler de manière efficace et de suivi. Donc il y a des devoirs et des obligations dans les deux sens et toute personne qui s'engage dans le BSI, que ce soit les doctorants où les professeurs s'engagent à respecter ce suivi strict et efficace qui, à mon sens, fait aussi partie de la marque de fabrique de BSI. Merci, professeur Liarté, de souligner ce dernier point, parce qu'en effet, ce n'est pas l'usage, mais on contrôle à la fois nos professeurs et nos doctorants. Les professeurs doivent répondre, c'est une obligation, ils doivent répondre dans des délais qui sont courts à l'ensemble des doctorants qui sont dans tous les pays du monde. C'est une de nos caractéristiques et on en est assez fiers. Alors, c'est donc un programme exigeant, c'est un programme exigeant qui a plusieurs modalités pédagogiques. Soit du face-à-face, c'est le présentiel, c'est ce qu'on vous propose et je vais me proposer de passer la parole au directeur de CampEC, Joseph Kodish. Ça, c'est la première formule, la formule en face-à-face. On a une formule en anglais en partenariat avec Schema, qui est le Digital DBA, et puis on a une formule totalement à distance, qui, elle, est en français. Professeur Joseph Kodish, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez prendre la parole et en profiter pour présenter notre partenariat? Oui, bonsoir, professeur Kalika, vous m'entendez? Très bien, très bien. D'accord. L'administrateur doit me libérer au niveau de la vidéo parce que je n'arrive pas à activer la vidéo. Mais on vous entend, c'est parfait. D'accord, ok. Bien, bonsoir à tous. Je tiens encore à remercier tous les participants à ce webinaire. Le CampEC, c'est le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, qui est une organisation internationale créée depuis 45 ans et qui est spécialisée dans le renforcement des capacités et la formation des personnels en situation d'emploi. Et depuis peu, le CampEC s'est lancé dans une réforme de ses programmes. Et c'est dans ce cadre que nous avons, avec, avec le BSI, envisagé donc ce partenariat dans le cadre du DBA. Et nous allons assurer donc au niveau de la Côte d'Ivoire, comme dans d'autres pays, assurer donc le suivi du DBA en partenariat avec le BSI. C'est un partenariat qui s'est mis en place depuis le début de l'année. On devait normalement avoir un lancement à Abidjan. Et le COVID a fait qu'on a dû reporter ce lancement. Et vu que la situation est en train de se calmer pour le moment ici en Côte d'Ivoire, on a, pour ne pas faire attendre encore plus tous ceux qui sont intéressés par le programme, proposé donc d'avoir ce webinaire pour informer
les différents candidats donc, à ce programme. Et donc, voilà un peu le partenariat avec le BSI. Le camp PC va faire l'interface entre le BSI et les différents participants au programme du DBA. Nous allons accueillir ici au niveau du camp PC certaines formations et recevoir également aussi les dossiers de tous ceux qui souhaiteraient donc participer à ce programme de formation. Donc, je tiens encore à dire merci au professeur Kalika pour l'intérêt porté au camp PC et nous restons donc à la disposition de tous ceux qui souhaiteraient donc candidater à ce programme de formation. Merci beaucoup, chers collègues, pour cette intervention qui était extrêmement, extrêmement claire. On va terminer rapidement la présentation pour répondre aux questions. Quelques mots, professeur Liarté, sur le support que l'on apporte. On a parlé du support enseignant, pédagogique, mais on met également à la disposition toute une série d'outils. Oui, alors effectivement, alors déjà il y a un intranet pédagogique qui permet d'échanger aux professeurs, de mettre à disposition leur support, des documents, déjà des échanges classiques maintenant dans le monde de l'enseignement et de la recherche. Mais en plus de ça, comme l'activité de recherche nécessite aussi la lecture et avoir accès à des connaissances scientifiques et pour réaliser notamment des revues de littérature, est disponible l'accès à des bibliothèques en ligne, donc vous en avez là la liste, donc des bibliothèques à la fois anglophones et francophones, la grande base de données internationale qui est EBSCO, sur laquelle vous avez accès aussi à des revues académiques et des revues managériales, et enfin utile à la fois pour les recherches qualitatives et quantitatives, mais le accès à Sphinx, c'est-à-dire c'est un logiciel en fait de traitement de données qualitatives ou quantitatives. On peut utiliser les entretiens, compter les mots, voir les relations entre les mots, mais également réaliser des bases de données, des questionnaires traités par Sphinx. J'ai envie de dire, ça va au-delà parce que la relation, le partenariat avec Sphinx, notamment au travers le professeur Moscarola, est très très forte et donc ça va bien au-delà que la simple mise à disposition du logiciel. Il y a également une grosse part de conseils, de stratégies d'utilisation du logiciel pour traiter les données. Donc voilà les outils à la fois pour la revue de littérature, à la fois pour le traitement de données. Donc vous n'êtes pas seul comme ça pour avoir accès, en plus de maintenant ce qui est de plus en plus disponible à travers des bases de données d'accès libre du type Google Scholar. Vous avez aussi accès à des choses qui sont privées et qui nécessitent un paiement normalement si vous êtes en particulier. Voilà. Alors, pour terminer, comment s'inscrire, quelle est la démarche? Bon, pour vous éviter des formalités longues, on a une démarche qui est une démarche simplifiée. D'abord, vous nous adressez un CV à l'adresse qui est notée, que je vous ai déjà donnée, cv@business-science-institute.com. Vous envoyez votre CV et là, vous devez recevoir, sauf s'il y a un bug informatique, dans les 24 heures, vous recevez une réponse, oui ou non. Si c'est non, ça veut dire que ce n'est pas la peine de passer du temps à faire un dossier, ça veut dire que votre candidature n'est pas éligible. Si c'est oui, eh bien, dans ce cas-là, vous préparez le dossier. Tout le dossier est à constituer en ligne. Vous allez sur le site du Business Science Institute, dont l'adresse doit figurer dans les réponses que l'on vous apporte par écrit. D'ailleurs, elle figure sous vos yeux. Vous remplissez le dossier d'inscription sur le site www.business-science-institute.com. Une fois que le dossier est complet, à ce moment-là, il y a une personne de l'équipe support qui organise avec vous un entretien avec le jury, avec un membre du jury qui va sélectionner votre candidature. Et dans les 24 heures également, vous recevez une réponse du comité scientifique international qui valide votre inscription dans le cursus. Donc, c'est un processus qui peut être extrêmement rapide. En fait, ça dépend de vous. De notre côté, les équipes support sont là pour vous répondre rapidement et elles répondent par mail à tous les mails que vous voudrez bien leur adresser.
Voilà en quelques mots ce que l'on souhaitait vous dire. Maintenant, nous sommes disponibles pour répondre à vos questions. Hugo, y a-t-il des questions qui remontent ? Alors oui, j'ai reçu un certain nombre de questions par voie privée. Il y a certaines personnes qui souhaitent écrire en privé. La première question, c'est en dehors du diplôme de MBA ou équivalent plus les 5 années d'expérience, quels sont les autres critères qui permettent d'évaluer une candidature ? Alors, les deux critères formels hein, pour accéder au dossier et pour accéder à l'entretien, c'est une expérience managériale de plus de 5 ans et c'est un diplôme de MBA ou équivalent. Ensuite, ce que le professeur va juger pendant l'entretien qui va être fait en général sur Skype ou sur Zoom, c'est un entretien de 30 minutes. Le professeur qui fait cet entretien à toutes les pièces du dossier et notamment une lettre de motivation, un projet de recherche de quelques pages, ce que va juger le professeur, c'est la motivation du candidat. Parce qu'en fait, la motivation est un facteur clé de réussite. On ne va pas vous dire, ni le professeur Liarté, ni moi, ni mon collègue du camp PC, on va vous dire qu'il suffit de vous inscrire pour obtenir le diplôme 3 ans après. Regardez notre site, on est extrêmement clair. On vous dit qu'il faut travailler, on vous dit que c'est un programme exigeant, c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui on s'est engagé dans des démarches de reconnaissance internationale, c'est parce qu'on est intransigeant sur la qualité. Mais on vous dit aussi que si vous travaillez, c'est possible. Et bientôt, on va avoir 80 doctorants managers du monde entier qui auront réussi à soutenir la thèse. Donc, ce que l'on juge dans l'entretien, c'est votre motivation. D'ailleurs, on l'indique hein, dans l'ouvrage que j'ai rédigé, comment réussir son DBA. Et peut-être qu'avant de poser votre candidature, je vous invite à lire cet ouvrage qui est disponible en ligne ou en version papier. Ce qu'on indique très clairement, c'est qu'un facteur clé de réussite, c'est la motivation. On n'a jamais vu un candidat non motivé réussir. Voilà. Très bien. Alors, on a une autre… Je peux permettre juste un complément. Donc, la motivation, bien sûr, très important. Et ce qu'on juge, on essaie de regarder et de discuter avec le candidat. Hein, c'est quelque chose qui se discute aussi. C'est les conditions matérielles au sens large pour réaliser. Ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un qui vient de prendre un nouveau poste qui l'occupe quasiment 24 heures sur 24 ou un peu moins pour pouvoir dormir quelques heures, mais qui n'aurait pas le temps, qui est dans les avions tout le temps, le week-end y compris. Bon, là, on peut dire il y a peut-être un décalage avec le parcours enfin, actuellement, donc peut-être que c'est un projet qu'il faut décaler ou voilà des choses comme ça aussi, parce que ce n'est pas tout d'être motivé. Il faut aussi avoir un petit peu de temps pour pouvoir le faire. Ça peut être des questions de vie familiale. C'est quelque chose auquel il faut discuter. Il faut être en accord avec son conjoint, sa conjointe. Voilà. Donc, tout ça aussi fait partie d'une discussion. Mais là encore, on n'est pas là pour vous dire il faut pas prendre ce poste ou il faut pas se marier ou je n'en sais rien. Hein, mais c'est une discussion pour voir si ça cale bien. Parce qu'encore une fois, on ne veut pas non plus vous amener. Le but, ce n'est pas pour nous de prendre des frais d'inscription et puis vous amener vers un échec. Ce n'est pas ça l'objectif. Ça ferait perdre du temps à tout le monde. Donc, vraiment, c'est de s'assurer que tout cadre bien, au moins au départ. Après, c'est un long voyage, donc tout peut arriver. Mais... La remarque du professeur Liarté me conduit à dire que dans l'entretien, il y a un autre élément qui est évalué. C'est la faisabilité de votre sujet, de votre projet de recherche. En effet, vous arrivez en général dans le programme avec un projet de recherche. Et ce que le professeur va vérifier, c'est est-ce que vous avez accès au terrain? Est-ce que vous avez accès à des données? Est-ce que votre expérience managériale va vous permettre de réaliser de façon aisée la collecte des données? Est-ce que le doctorant est proche d'un terrain? Donc, cette notion de faisabilité, on va insister parce que pour nous, c'est un critère important de réussite du projet final. Merci pour ces réponses, professeur. On a une question de M. Soumaoro qui nous demande de préciser ce qui est entendu par 5 ans d'expérience managériale minimum. Donc, qu'est-ce que l'on entend par expérience managériale et peut-être, du coup, c'est quels sont les profils des personnes qui sont inscrites en DBA? Alors, une personne qui
n'aurait exercé aucune fonction dans une organisation privée ou publique, qui n'aurait pas été en contact avec des collaborateurs, qui n'aurait donc pas ce que l'on appelle une expérience managériale, on se poserait des questions. Il est clair que le cursus n'est pas fait, par exemple, pour un enseignant qui souhaiterait préparer une thèse d'étudiant. Le cursus, il est fait pour des personnes qui travaillent dans des organisations publiques, privées, et qui ont donc cette expérience matérielle. Merci pour cette réponse. Ça me permet de faire la transition vers une autre question que j'ai reçue. Peut-on devenir enseignant après un DBA? Alors, la réponse, elle est sur notre site et elle est très claire. Si votre objectif, c'est de devenir professeur d'université à temps plein, c'est écrit sur notre site, on vous dit… C'est bon maintenant, je suis connecté. On vous dit… Oui. Coupez votre micro, s'il vous plaît. Campessé, vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît, vous intervenez dans le webinaire. Campessé, s'il vous plaît, fermez votre micro. Donc… si votre objectif, c'est de devenir professeur d'université à temps plein, eh bien, dans ce cas-là, notre réponse est préparer un PhD, un doctorat traditionnel dans une université traditionnelle, parce que c'est la voie habituelle. Si, en revanche, votre ambition, c'est de faire des cours dans une institution, c'est d'être associé à l'école, c'est d'intervenir dans une université comme praticien. Là, le DBA vous sera utile. Mais soyons très clairs, si votre objectif, c'est de devenir universitaire à temps plein, notre réponse est très claire aussi, faites un doctorat traditionnel. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse est, tout dépend des pays dans lesquels vous êtes. Les contextes ne sont pas les mêmes, les réglementations ne sont pas les mêmes. Par exemple, on voit dans certains pays anglo-saxons, on voit aux États-Unis des collègues, des managers qui ont un DBA devenir universitaire à temps plein tout simplement parce qu'il y a des fonctions à assurer et parce que l'expérience managériale plus le DBA fait que vous êtes recruté. Donc, si vous voulez, nous, on a une position de principe qui est de dire si vous voulez être prof à temps plein dans une université, faites un doctorat traditionnel. Et puis ensuite, on a une deuxième réponse qui est, attention, cela dépend des pays. Je me souviens d'avoir présenté le DBA dans un pays où le directeur d'une école d'ingénieurs me disait, moi, des profils de praticiens avec DBA, je vais les recruter parce que ce sont des profils intéressants. Et on sait que dans un certain nombre de pays où il y a pénurie d'enseignants dans les institutions, les profils de DBA sont recrutés tout simplement parce qu'il y a le cumul de l'expérience managériale et de la capacité à produire une thèse. Donc, une réponse nuancée. Merci pour cette réponse. Il y a peut-être une dernière question, professeur. Hugo, pardon, le professeur Codis va intervenir. Oui, merci, professeur Kalika. Concernant donc... DBA en Côte d'Ivoire ou dans l'espace CAMES de manière générale. Alors, je voudrais demander également, c'est dans le sens du professeur Kalika, hein, c'est-à-dire que le DBA, c'est vraiment pour ceux qui souhaitent travailler dans des institutions, être des managers ou intervenir à temps partiel en milieu universitaire. Parce que le CAMES est vraiment clair sur cette question. Le CAMES ne reconnaît pas le DBA comme étant un diplôme qui permet donc d'accéder en temps plein comme enseignant dans une université. Donc, les universités peuvent embaucher ou signer des contrats avec des personnes titulaires du DBA, mais ce sont des contrats de vacation. On ne peut pas à plein temps être recruté comme enseignant dans une université de l'espace CAMES avec un DBA et avoir une carrière universitaire. Pour le moment, ce n'est pas possible. Et le CAMES est clair là-dessus.
Et la réponse que le professeur Kalika a donnée est également claire. Donc, ce diplôme qui est proposé par le BSI, c'est vraiment pour tous ceux qui souhaitent améliorer leur performance dans leur administration, donner des formations à temps partiel dans des universités, mais pas faire carrière, en tout cas en ce qui concerne l'espace CAMES, ce n'est pas possible d'être recruté avec un DBA. En effet. Vous avez, merci pour ces précisions. Et dans votre présentation, vous avez ajouté, professeur Codis, pour l'instant. Et donc, on verra ce que nous réserve l'avenir. Mais pour l'instant, c'est extrêmement clair. Et de toute façon, nous avons, du côté du Business Science Institute, toujours été clair. Le DBA n'est pas fait pour devenir un enseignant à temps plein, même si on a certains de nos diplômés qui sont recrutés dans des institutions internationales. Hein. On a un certain nombre de cas. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, Hugo ? Oui, il y a une dernière question. On a une question qui nous arrive et on nous demande, est-ce qu'une étude a été conduite sur les apports du DBA quelques années ou quelques mois après la diplomation? Oui, en effet. Alors, en effet, on a réalisé l'an dernier, alors bon, d'abord, on est une organisation jeune, hein, puisque créée 2012-2013, le cursus dure 3 ans, donc les premières soutenances ont eu lieu en 2015. Donc, on a un recul, mais qui est limité. Mais on a organisé l'an dernier une étude sur l'impact du DBA. Et on a organisé cette étude auprès de 20 docteurs du Business Science Institute, ce qui est donc un échantillon tout à fait significatif. C'est une étude qualitative qui a été faite par voie d'interview, enregistrée par un collègue et moi-même. Et on a observé plusieurs types d'impact. Alors, d'abord, on a observé des impacts professionnels, c'est-à-dire que les managers qui étaient dans des grandes organisations nous ont dit qu'après le DBA, ils ont vu leur carrière évoluer. Bon, pour ceux qui étaient des consultants, ils nous ont dit très clairement, le DBA a été pour moi, en tant que consultant, un gain de crédibilité, un gain de notoriété, qui m'a permis, je cite, hein, entre guillemets, d'accroître mon chiffre d'affaires, de répondre à des appels d'offres internationaux. Et il est là très clair que le DBA a un impact professionnel, même si à l'origine, ça n'était pas notre idée. Alors ça, c'est une première série d'impacts. Ensuite, il y a une deuxième série d'impacts qui sont des impacts plus personnels. C'est-à-dire que les docteurs du Business Science Institute nous ont indiqué que le regard que l'on portait sur eux par la société civile, mais aussi par la famille, était différent. On les regardait, on les considérait différemment, c'est-à-dire que le titre, à l'évidence, acquis dans des conditions strictes et de qualité, confère une crédibilité. Et puis, ce qui est beaucoup plus intéressant, et ça, on ne s'y attendait pas obligatoirement, ils nous ont dit également, quasiment tous, qu'ils réfléchissent différemment. Ils réfléchissent différemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le DBA, c'est aussi un processus de transformation mentale. Ils nous ont dit qu'ils appréhendaient, la complexité de façon plus simple, qu'ils étaient capables de traiter des situations d'urgence, des situations complexes, de façon plus sereine, en prenant du recul. C'est-à-dire que le DBA, c'est une prise de recul par rapport à une réalité managériale, eh bien, c'est une forme d'esprit qu'ils gardent. Ce qu'ils nous ont dit aussi, c'est qu'il y a un impact après la soutenance, et puis il y a un deuxième impact un an après, quand le livre est publié. C'est-à-dire que quand ils publient leur ouvrage, il y a un surimpact, il y a un deuxième impact, notamment dans les milieux professionnels dans lesquels ils diffusent leur ouvrage. Donc, on dit parfois que le DBA, c'est une thèse à impact, et c'est une thèse à impact managérial, et c'est une thèse également à impact personnel. Hein. Il faut savoir hein, que certains de nos docteurs de DBA occupent des positions internationales
un de nos futurs docteurs qui va soutenir la semaine prochaine, était nommé Premier ministre d'un pays voisin, pas très éloigné du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Merci, professeur. Nous avons épuisé les questions posées. Je pense que c'est complet. Puis de toute façon, le support reste disponible pour les autres questions. Professeur Codit, voulez-vous ajouter un dernier mot? Non, sinon dire merci à tous les participants et dire que le Grand PC et le BSI attendent donc pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas, les encourage donc à postuler et on va se faire fort donc de les suivre dans le cadre de ce DBA que nous lançons en partenariat avec le BSI. Professeur Liarté, un dernier mot? Juste un dernier mot. Je sais que certains suivent le webinaire, donc je salue les premiers inscrits de la promotion Abidjan. Donc pour ça, pour vous dire qu'il y a déjà des inscrits. Donc comme il a été dit, la promotion démarrera le 26, 27, 28 novembre. Et donc voilà. Donc j'encourage les autres à suivre la procédure donc en envoyant le CV en suivant. Mais donc voilà, c'est en train de se constituer une première promotion que je n'en doute pas va être extrêmement stimulante et riche vu les candidats que j'ai eu vraiment l'occasion de découvrir. Et c'est vraiment pas juste un effet de politesse ou quoi. J'étais vraiment très très surpris par le niveau et les personnalités qui intègrent cette première promotion. Donc j'ai hâte de vous rencontrer et de rencontrer bien sûr nos partenaires locaux, ou enfin juste l'occasion pour le moment de se rencontrer en virtuel, mais de nous rencontrer prochainement sur le site et de découvrir votre beau pays et voilà, d'entamer physiquement cette relation qui sera bien évidemment fertile, et ça je n'en doute pas du tout. Un dernier mot. Vous engagez dans un DBA, c'est une décision importante, c'est une décision qui doit être réfléchie. L'ouvrage est petit, il fait une centaine de pages, il est disponible en version papier, il est disponible en ligne également. Je vous encourage à le lire avant de vous inscrire. Vous aurez là toutes les réponses et vous prendrez votre décision. Vous verrez si ce programme vous convient, vous correspond. Et quelles sont vos chances de succès. Voilà, merci à vous tous, merci à notre partenaire le Camp PC, merci professeur Liarté, merci Hugo pour l'organisation parfaite de ce webinar, et à tous nos participants, nos remerciements pour votre participation. Le webinar a été en principe enregistré et pourra être diffusé. C'est bien correct, Hugo? Oui. Parfait. Oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à tous.